De la houle stationnaire et du vent onshore qui se renforce ce midi sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps gris couvert avec des averses intermittentes. Il pleut pas des masses, mais il pleut un peu. La température extérieure, elle est relevée à 12-13 degrés. La température de l'eau est toujours à la hausse à 12 degrés. La marée, elle est toujours... elle est pleine basse, là. Le plein bas, midi 35, des coefficients de grande marée 112. Sur cette pleine marée basse, le vent est onshore plein ouest, il est modéré, il y a trois beaufort établis, pas plus. Le clapot s'est généralisé sur le plan d'eau, les faces de vagues se sont rigidifiées. La houle est toujours mal réveillée, longue de 12 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest. Elle est stationnaire en taille hein, par rapport à ce matin, toujours 1 mètre, 1,20 m en déferlement régulier. 1,30 à 1,50 sur les séries qui rentrent fréquemment et 1,80 sur les grossettes qu'on voit là qui ouvrent pas des masses là sur celle-là. Donc c'est multipique, c'est pas hyper venté, ça serait praticable s'il y avait des bancs, mais là c'est absolument minable. Il n'y a pas de buy-in, bon mais c'est pas génial, hein. Ça pourrait être mieux. Il n'y a pas de vague au bord, au large ça barre. Voilà, il n'y a personne à l'eau, il n'y a quasiment personne à la plage. Il n'y a pas de surf et pas d'action. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train d'houle qui va se tasser un petit peu parce que ça y est, après 4 relevés, 4-5 relevés à 1,70 et 10 secondes, la bouée Arcachon-Gascogne, il y a eu un seul relevé un peu plus gros qui est son maximum à 1,90 et 11 secondes. Et depuis, elle est légèrement à la baisse à 1,50 et 10 secondes, ce qui confirme bien le train de houle qui va s'essouffler au fur et à mesure que la marée montera. Ce qui nous donne en prévision à 17h 1,50 m. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 12 secondes de période. Le vent ouest-sud-ouest, moins de 1 beaufort, il se calmera au fur et à mesure que la marée montera. Les conditions s'amélioreront sur le plein haut, avec une thématique multipique et des vagues fermantes. Mais bon, le meilleur créneau, ça sera quand même sur la fin de journée. À surveiller néanmoins, je ferai un petit point à 16h pour voir comment cela évolue. Mais c'est pas parti pour ouvrir des masses. Bonne journée.